Chers collègues et amis du réseau international Endacher Monde, chers partenaires, chers amis et sympathisants d'Endacher Monde, j'ai l'occasion aujourd'hui de vous souhaiter une excellente année 2021. Des vœux, vous le savez, d'abord de santé, d'entente, de paix et de prospérité à toutes les échelles. Après une année 2020 qui nous a beaucoup éprouvé, nous souhaitons donc que ce départ soit aussi un moment où nous allons tous ensemble rebâtir ce monde. Enda a rêvé en 1972 d'une société conviviale où chacun, chacune a sa place, conviviale dans nos relations entre nous, conviviale dans notre relation avec l'environnement et la planète Terre. Ce rêve a été, je dirais, aujourd'hui accepté dans la mesure où 193 pays de ce monde ont convenu d'un agenda de transformation pour un développement durable, donc qui concilie environnement et développement, comme le dit notre nom. Mais ce rêve, Enda l'a voulu d'une certaine manière, en disant qu'on ne développe pas, on se développe. Donc, avec nos propres capacités, avec nos propres ressources culturelles et locales, nous pouvons, si nous le voulons, transformer ce monde et le rendre convivial. Ce n'est pas impossible. Acceptons donc, dans nos familles, dans la façon dont nous-mêmes nous tenons dans nos familles, dans nos relations avec nos conjoints, nos enfants, nos amis, nos cousins, nos cousines, d'actualiser cette façon de faire et de vivre ce monde. Mais aussi dans la façon dont nous vivons ensemble dans nos quartiers, dans nos villes, dans la façon dont nous voyageons et acceptons aussi l'autre. Parce que nous n'avons que ce monde et il nous appartient ensemble. Bâtir un monde convivial, c'est possible si nous le voulons vraiment. Et j'appelle toutes les entités d'Enda qui ont montré beaucoup de solidarité durant la pandémie de Covid-19, qui ont montré beaucoup de créativité, qui ont montré beaucoup de solutions d'alternatives à continuer à rester constant dans ce combat-là pour que le rêve d'Enda devienne une réalité. Ainsi, je vous souhaite encore une fois nos vœux les meilleurs de santé, de prospérité, de paix, un monde sans violence. Enda, bâtisseur d'alternatives, ensemble, nous sommes plus forts au service des peuples et de la planète.